Nous sommes à Saint-Gatien-des-Bois, je suis maire adjointe de la commune. Vous ne savez peut-être pas, mais dans cette commune, il y a 1350 habitants. Nous sommes au centre du Triangle d'Or, à savoir Pont-l'Évêque, Honfleur, Deauville. Notre commune est très touristique, il y a donc énormément de passages l'été. C'est pourquoi nous avons tenu à améliorer le fleurissement de la commune, puisqu'il y a énormément de visiteurs. Pour ce faire, nous avons déjà participé l'an dernier au concours des villages fleuris. Malheureusement, nous n'avons pas reçu de prix. Néanmoins, nous avons apprécié les commentaires très intéressants qui nous ont été faits suite à ce que nous avions présenté. Nous en avons tenu compte cette année. Pour la deuxième fois, nous nous présentons, espérant bien cette fois avoir un prix. Le budget du fleurissement a été considérablement amélioré puisque nous souhaitons que la commune soit agréable aux visiteurs et nous souhaitons aussi reconnaître le travail de nos employés communaux qui passent énormément de temps tous les jours pendant tout l'été. Le fleurissement implique une charge de travail exceptionnelle pendant toute la durée de l'été, puisqu'en fait nous avons au total 4 employés communaux et il y a 2 de ces employés qui tous les 2 jours vont arroser les fleurs pendant 3 à 4 heures. Donc on a été obligé d'investir aussi dans des accessoires pour faciliter l'arrosage, puisqu'on a entre autres des jardinières qui sont en hauteur sur les réverbères, ce qui nécessite donc un travail particulier pour arriver là-haut.